Et salut tout le monde, ici Petit Seb en direct d'Hammerwatch pour ce troisième épisode, toujours en compagnie de Monsieur Pierrot ici présent. Salut Pierrot. Salut, salut. Et de notre ami Lanou. Salut Lanou. Toujours présent. Voilà. Donc la dernière fois on s'est arrêté, on était au troisième étage. Hein. Voilà. Et on avait la clé d'argent pour aller par là. Il nous manque une clé de bronze pour aller sur le côté. Et puis c'est tout. Hein. Bon bah c'est parti. Oh, une clé de bronze. On l'a cherché partout à l'épisode précédent, elle était juste derrière la porte. Aïe. Aïe. Tu sais que, voilà, avec ta course, tu pourrais passer quasiment tout d'un coup. Et c'est moi qui ai pas de course qui passe sans me faire toucher. Bah ouais. Bombe. Tout est normal. T'as été fouillé le reste ? Ouais, y'a rien. Bon, on descend. J'ai déjà fouillé en fait. On repasse au premier étage. On a récupéré la clé en or, on va pouvoir ouvrir l'autre porte. Parfait. Le prêtre devant. Je suis protégé par ma foi. Je suis invincible. Bon, ça que je suis. Y'en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Attention, on bosse, on remonte. Là, nous. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, recule, et moi je vais le. Ouah, il m'a arraché. Je vais lui brûler les fesses. Ah, ben voilà. Ah, y'a plus de mana, au secours. Ah, y'a plus de vie d'ailleurs. J'ai pas réapparu. On va tâcher d'en trouver une, mais sans le paladin pour tanker, ça va pas être sympa. Compliqué. Ah, au blaster, ça va bien. Hein. Du coup, je m'économise plus. Hein. À la plante. Ah, c'est pour ça que je les éloigne. Attention, ça arrive. Résurrection du Pierrot. Ouais. Ah ouais, d'accord. T'as respawn où ? Ah bah oui, puisque oui, quand on change d'étage, ça sauvegarde donc. Y'a plus rien là-bas ? Non. Level 1 offense, c'est attention. Pour quoi ça ? C'est pour les dégâts. Les dégâts si tu veux, augmenter tes dégâts. Vous attendez encore ou... Fais voir, il a quoi à vendre. Attends Alan, ne t'enflamme pas. Oui, je suis pas là, je suis allé voir le marchand. Ouais, mais s'il se met dans un coin comme ça, si ça doit passer. D'abord. Bah, je trouve des astuces, hein. Tu sais, si tu fais le jeu tout seul, t'es obligé de toute façon. Attention, il y a du gros là. Chose,
prêtre, c'est vraiment pas la classe à jouer tout seul. Enfin, les dégâts. Ça fait un très bon soutien. Parce que... Ouais. Mais les dégâts du sort. En soin, ça fait pas beaucoup, je trouve. Mais bon, comme on peut l'améliorer, on verra plus tard. Mais en dégâts sur les mobs, par contre, ça rocks bien. Et je fais du 19 alors que je fais du 6 avec mon attaque de base. Si j'essaie de t'attaquer au lieu de te soigner, ça va pas le faire. Voilà, j'ai plus de mana. Fais attention, il y a des pics au-dessus là. Faut désactiver les pics avant d'aller voir le monsieur si jamais on va le voir. Ouais, et lui c'est le marchand de défense, il augmente les défenses et je sais pas quoi d'autre. Attention là, il y a une plante. Ah, on est revenu à la plante du départ là. On va pouvoir aller là. Faites attention, là elle attaque partout. Ah ouais, d'accord. Quand tu dis partout, c'est même là où il y avait les pics en fait. Ouais. Oui, c'est dans la zone. Attends, si tu veux, je m'en occupe. Ah putain. Ouais. Et j'avais dit je m'en occupais, mais. Ah, t'avais pas le temps d'occuper tout seul non plus. En fait, moi, tu joues à la manette, toi, là, nous, en plus. Ouais. T'as un bouton pour fixer ta vue dans un sens. Et ce qui te permet de toujours, par exemple, regarder vers le haut, même si tu recules ou que tu te décales sur les côtés. Ah ouais. Et comme ça, tu peux continuer à attaquer une fois de temps en temps. Moi, je serais tenté d'aller plus par là. Alors, fais gaffe sur le bord, il y a une plante, là, aussi. Ouh, je suis un peu perdu. Ah, c'est là-bas, d'accord, ok. C'est sur la... Ben voilà, et là tu remontes. Oh, je fais cette blague. Ben, j'ai dit de faire attention à la plante qui était contre le mur du bas, hein, là nous. Celle-là, je l'ai pas. Tu l'as pas vu, c'est le moment, là. J'ai cru que tu l'avais buté celle-là aussi. Allez, avance un peu. Alors, j'ai deux triples. Deux triples jets. T'es détourné, ouais. Faut qu'on trouve une vie pour l'anneau maintenant. Ouais. J'aime bien, on trouve pas des vies pour avoir plus de chances de gagner, on trouve des vies pour ressusciter nos alliés. J'ai eu le cocon. Il est en dessous. Fais gaffe, j'ai plus trop de. Ah mince, y'en a encore un. Oh, mais, viens par là. Une seule qui est derrière. On se casse. Tire-toi. Prends trop de dégâts. En fait, le mieux c'est de passer, tu vois, à ras d'un poteau. Non, comme ça, juste au-dessus. Et comme ça, elles vont arriver au-dessus normalement. Par celle qui arrive en dessous, bien sûr. Ah, celle qui veut le faire chier, ça va. Et moi, du coup, je peux aller faire ça. Vas-y. Je suis pas là, je suis derrière. T'es prêt? Je vais passer de l'autre côté, comme ça, tu vas pouvoir les fumer. Ouais, mais j'ai plus de mana donc. Recharge. Est-ce que. Non, il y en a pas sur la carte. Faudrait que tu me fumes celle qui est sur le côté. Si la plante est morte, ça serait pas mal. La plante, non, la plante est pas morte alors. Problème. Attention en bas. Ouais, je sais. Ça devient du jeu de stratégie à force.
Un peu, ouais. Ah mince, c'est parti. J'ai plus de mana. Transformer sur le. Attends, on va passer par au-dessus là. Ouais. Il y a encore une plante. Ouais, non mais. T'as un peu de soin. C'est pas. Attends, c'est pas le soin, mais t'inquiète pas, je vais pas soigner. Ah voilà. Ah. Je suis désolé, j'ai dû ramasser tout le soin. Non, pas grave. Alors, on va passer par au-dessus d'abord. Par ce côté-là, là tu vas pouvoir les attirer une par une. Fais gaffe, recule, il y en a au-dessus. Là. Recule jusque-là. Là. Parfait. T'as pas pu attendre. Ah non. Merde, excuse-moi. Ah, une vie. Ah, ouais. On va aller la chercher. Putain, je prends des gros dodo. Ouais, moi aussi j'en ai pas un tranche. Fais gaffe là, on a pas eu la plante. Merde. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça a marché aussi. Vas-y, je te couvre. Reste derrière. Ouais, je voulais rester. Recule. C'est le gros qui va être embêtant là. Sol qui est paru juste en dessous là. Régénération des points de vie. Le prêtre régénère un de vie toutes les 5 secondes. Je prends, merci. Ouais, le reste on verra plus tard. Moi je sais pas si je prends pas le shield parce que clairement c'est intéressant. C'est quoi, c'est le degré de protection du bouclier? Ouais. Tu peux prendre. Ça veut dire que plus ton degré de protection sera grand, plus les attaques moi, je prendrai en diagonale. De dégâts, non, en fait, c'est les projectiles en diagonale, ils vont être bloqués aussi. Ouais, bah ouais. Bah maintenant, il a 120 degrés de protection. Normalement, je devrais moins prendre de dégâts et du coup être moins chiant à healer, quoi. Bon. T'as activé ça?
Alors, en fait, le but c'est d'arriver à. Pas allumer. Voilà. Et quand t'appuies sur 1, ça active tout ce qu'il y a sur les côtés. Attends. Ah mince, il manque. Je laisse faire, parce que. Suggestion et la bienvenue. Alors, active le centre. Attends. Déjà, faut voir comment ils interagissent. Non, mais c'est facile. C'est quand t'appuies sur un, c'est ça change celui sur lequel tu passes et ceux qui sont au-dessus, en dessous et à droite, à gauche. Tu vois ? Ah. C'est bon. Et si je me souviens bien, c'est le portail qui nous permet de récupérer la vie, qui est à côté en plus. Là, si tu peux avoir le coin pour. Rappuie sur celui du bout. Attends, si. Ouais, attends, c'est bon. Merde. Non, mais je crois que j'ai une idée. Vas-y. Après. Hein ? Ah, c'est bon, t'y es. Trop fort, Pierrot. T'as pas de colis. La clé en bas ? Ouais, bah, de toute façon obligé pour bonus level. Bon, c'est de la gaufrette. Hein. Ouais, c'est de la gaufrette, mais ils sont hyper nombreux, c'est ça le problème. Et après, il y a des archers, il me semble. Ouais, les archers, ça me fait un peu plus mal. Le souci, c'est pas qu'ils, c'est qu'ils sont nombreux et que t'as les nids à exploser en même temps. Alors. Ok, c'est bon, je prends ça. Heureusement qu'ils sont en gaufrette, hein, comme tu dis. Je suis dans la merde, j'ai plus de points de vie. C'est dommage, vers moi il y a plein de pommes. Le souci, c'est pas la difficulté pour les tuer, c'est le nombre. Parce que ça pop hyper vite. Ouais. J'ai cru que j'avais vu Alan. Ouais, ah bah Alan, non. Il est à la sortie. Tiens, regarde. Ah oui. C'est pas Alan, c'est un squelette. On pourrait croire que c'est moi, mais non. Merde. T'as tout clé, non ? Ouais, il faut attends, passer par là. Attends, je vais choper la pomme. J'ai un healer qui heal pas. C'est vrai que j'étais concentré sur le tabassage de squelette. T'as au moins le combo, il monte vite, là. Là, il a été utile, le combo. Mets-toi à l'intérieur. Et je me demande, ça t'augmente l'or ? Ah ouais, oui, c'est bon, ça te file bien l'or à toi aussi, l'anneau, donc... Ça va. Ça, ça se casse. Ah ok, je savais pas. On descend ou on essaie de rentrer dans cette cage ? Tu peux pas dans cette cage. C'est les barres blanches qui s'enlèvent avec les clés.
D'accord. Tu auras tout ouvert à la fin, t'inquiète pas de toute façon. Ouais, normalement. Mais bon, au moins t'as des pommes partout là, s'il y a un souci. Ouais, ouais. Où est l'intérêt de casser ça? En fait, ouvrir ça. Quand tu passes sur les passages clignotants, ça ouvre des portes. Fais gaffe. Ça fait tomber des murs. Ça fait tomber des murs, ouais. Vas-y, fais tomber. Fais gaffe, il y a des archers. Ouais, je les ai sentis passer. Pour le moment, on a tout clean. Oula. Derrière, y en a, j'en ai oublié deux. Est-ce que je peux le... à travers le mur. Gaffe, c'est des archers. Heureusement qu'on a l'anneau en support. Ça, c'était un raccourci. J'ai cru que tu l'avais tué. Moi aussi. Là en bas, j'ai une porte. Ah, ça, c'est la grosse salle de la fin, je crois. Attends. Ok, attends pas. Tu l'as dit au moment où j'ouvrais alors. Fais gaffe à toi, utilise ton truc pour te dégager. Là l'idée c'est vraiment d'arriver à péter les nids avant d'essayer de les tuer parce que... Il faut du mana, il reste deux nids. Il en reste plus qu'un. Fais gaffe. Ils m'ont tué. Archer, je suis tranquille. Ouh, de l'or, ouais. Vous aurez pas mon or. T'as le gars, y'a que ça qui le motive, tu vois. Il est le vieux pirate. Ah, il m'a manqué un speed en fait. Je me suis retrouvé au milieu du tas, plus avoir de speed. Ouais, ça c'est... faut faire attention là. C'est mortel. Ouais, quand tu crois que t'as fini, en fait, il te reste un petit mob en face. Bon, là, nous, t'es revivant. Ah, je suis revivant. Voilà. Va t'occuper de ça. Et, ouais. Et puis, on va arrêter cet épisode ici, sur nos prières, en direction de Pyro. Tout ça, quoi. On lui fait... Tu crois qu'on lui fait une tombe tout de suite ou on attend un peu? Attendez un peu. Ah, d'accord, ouais, on va attendre. Je sais pas. Bon allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour la suite de nos fouilles dans le château d'Aberwatch. Salut. Salut. Hey, watch out.